as a elusive heaven, waiting patient for you. And I wish I'm far away, but I run up the world someday. Nobody knows, nobody knows. But I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But take me home where I belong. Après avoir passé un Noël un peu spécial, Nico et moi on a décidé de se faire un petit voyage histoire de décompresser un peu. Ça faisait longtemps qu'on pensait à se faire un petit road trip, mais vu que le nouvel an était dans 3 jours, c'était vraiment l'occasion idéale. Bon, tout est paré pour le voyage et la Great Ocean Road. Regarde mon petit sac en bandoulière. Plutôt cool, hein? Ce serait donc la Great Ocean Road. On a choisi de partir pour 3 jours avec un groupe d'environ 10 personnes. Le programme était vraiment très chargé, et d'ailleurs je l'avais même pas lu en entier, mais la première destination avait vraiment attiré mon attention quand j'avais lu sur le papier. C'était la Mecque, Jérusalem, du surf, Torquay. Bon alors là on est à Torquay, pour ceux qui connaissent le surf, c'est la capitale, la Mecque, la Jérusalem du surf. Donc, il va y avoir des jaloux. Et là, on a juste derrière, on a les headquarters, le QG de Rip Curl. Yeah. Ah, that you're not losing. He told me that this is for beginners, and I really want one. $495. This is for professionals. Yeah, the smaller it is, the more movable it is, you know. So it's more hard. Yeah. To ride it. Oh la la. Juste après Torquay, c'est là qu'a vraiment commencé la route qui longe l'océan sur plus de 200 km. Alors que notre van fendait l'asphalte, Nico et moi on était ébahis par ce qui se déroulait sous nos yeux. Ces grandes étendues d'eau, l'océan qui se fracasse contre les rives. C'était vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Look! Look at the big one! That's another one, looks like a big star. And then another one there. Oh yeah. That's the Yantic. What are they doing? They are huge! What did you say? Je veux coucher avec un chien. Avec un chien. What do you think? Amazing. Just amazing. Ouais, c'est vrai que c'était incroyable. Notre guide Peter ensuite voulait nous faire visiter un des premiers phares créés en Australie. Un phare en australien, en anglais ça se dit lighthouse. Et ça aussi c'était vraiment pas mal. Nico! What the fuck? Nico! On a un koala! So small! Après une petite marche dans une jungle appelée Rainforest en Australie et quelques heures de route, on se dirigeait vers l'hôtel où on allait passer la nuit. L'idée c'était de vite déposer nos affaires, remonter dans le van et se diriger vers les 12 Apostles, les 12 apôtres, pour assister au coucher de soleil le plus magnifique de toute ma vie. That's our room, c'est notre chambre. 10 people, man. Look at this! On est vraiment comme des gamins avec Nico en ce moment. Look at this, man. This is crazy. Look at this. Oh, I'm so happy now. I don't know why. We are like... The fuck? Does anyone need a banana? It's amazing. Damn.
You can't believe it. Yeah, hopefully won't blow, but yeah. I'll go down a long time. Yeah, I'm following you. Il y a vraiment des endroits sur Terre, mais des endroits vraiment spécifiques, tu vois. Une fois que t'es là, c'est comme si tu regardais, tu sais, c'est un peu le même effet qu'une messe ou qu'un mec qui tient un discours hallucinant ou que la fin de Star Wars 3, tu vois. T'es là et tu peux juste rien dire, t'as les yeux écarquillés et t'es bouche bée, t'as plus rien à dire, t'es juste là et tu regardes autour de toi, quoi. Je sais, ça peut paraître enfantin et ouais, le mec, bon, ok, c'est des rochers et tout, mais enfin, c'est ouf quoi. Après, il faut être là pour le comprendre, il faut le vivre, mais c'est vraiment incroyable. Bon, deuxième jour de road trip, hier c'était génial, aujourd'hui le temps est pas trop avec nous. Tu sais, j'adore avoir ce sac sur le dos parce que depuis que je l'ai acheté, c'est un sac beaucoup plus petit que le tout premier que j'avais. Le premier il faisait 60 litres et là celui-là il en fait 40, tu vois, donc c'est vraiment le petit-fils. Et j'adore vraiment avoir ce sac sur le dos parce que t'as l'impression d'avoir juste un tout petit truc sur ton dos qui te permet d'aller partout et que t'as pas besoin de plus, tu vois. Nico il a un sac de 80 litres et je lui dis mais à quoi ça te sert, parce que en fait lui il aime pas plier, du coup il s'est acheté un énorme sac pour juste tout vautrer dedans, tu vois. Et il prend par exemple cette veste quechua imperméable, il la fout dedans comme ça et tout rentre, tu vois, mais y a rien qui est plié et tout. En fait il se trimballe à 5 poubelles sur le dos, quoi. Mais j'adore cette sensation d'avoir juste un truc que tu peux bouger dans le monde entier, quoi. Do you want to say hi, maybe? Hi. Stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange to have a safe and home? To the dark out and disappear a second time. Yeah, no. Oh. Pour cette deuxième journée, le temps n'était pas vraiment avec nous, c'est vrai. Mais la plupart des activités consistaient à visiter des endroits, notamment une fromagerie où on a pu déguster des tas de fromages australiens qui sont pas terribles par rapport aux nôtres. Mais bon, on a fait beaucoup d'arrêts pour voir 2-3 petites choses sur le chemin jusqu'au moment où arrive l'heure du déjeuner. L'heure du déjeuner. They will fucking kill her. Yeah, not good. I want to see this. Let's stop. Stop. I want to see the fight. Round one. Oh, and there's ibis on the right. Brigitte versus the emus. Ça ressemble à... Ah, merde. Voyage au cœur de la lune. C'est un jeu sur PC auquel j'ai joué et il y avait des plantes extraterrestres. Des plantes extraterrestres. Des plantes extraterrestres. Des plantes extraterrestres. No, look how he's taking this. No, they don't give them chips. They are too salty and everything. So ugly. Try. He looks like he's about to run at you. Yeah, he looks so. Maybe he doesn't like the bread. Hey. Don't provoke. Oh. Don't do this. Don't Nico, are you crazy? I just wanted him to notice. Yeah. Oh. Not when I'm eating. Little girl. It's a shame they didn't actually carry on. Please. With that. To see what the next episode of that. Bon, ici c'est Jurassic Park, excursion au royaume des autruches, tu vois.
Non, c'est du sable. En fait, c'est une petite île. Il nous expliquait le guide que, en fait, on est au milieu d'une crevasse qui a été créée par un volcan qui s'est éteint il y a 20 millions d'années et qui s'est réallumé, qui s'est rééteint, qui s'est réallumé, qui s'est rééteint. Et en entrant en éruption, en fait, il provoquait une espèce de d'immense bulle de vapeur parce qu'il était sous un lac. Et du coup, toute cette bulle de vapeur faisait jaillir toutes les cendres et tous les résidus du magma, tu vois. Et ce qui a donné lieu à cette île, et c'est pour ça que c'est si peuplé, si végétal. Et donc voilà, et c'est pour ça que c'est le royaume des autruches. Des bars ? Après manger, Peter nous a amené dans un parc national appelé les Grampians. Ce sont des espèces de montagnes érigées en plein milieu d'une plaine qui ressemble vraiment à la plaine du Roi Lion. Vraiment, je te jure, au moment où j'y étais, j'avais l'impression d'être dans le Disney. Et ce qu'il nous a proposé de faire, c'était une randonnée d'environ une heure qui nous permettait d'admirer la vue au sommet d'une de ces fameuses montagnes. Regardez ces espèces d'idiots là. Ils sont partis sans moi, cette bande de cons. Ils m'ont oublié. T'imagines, ils m'oubliaient dans la jungle. I almost thought I was sleeping here, you know. You didn't notice? Of course I did, but he was saying I was saying we can't leave. My ego is missing. My alter ego is missing. Yeah, but imagine then when you land, how do you come back? Now you are landing in some trees. Yeah, you don't land at all. But and how do you come back? But imagine you can do the, with the wings, dude, a nice suicide. At the end, you've got an adrenaline kick. Yeah, but how are you going to get back into civilization? Also from Germany. Germany? Yeah. What part? Heidelberg. Yeah. Yep, first time? Yeah. I'm from Germany as well. Germany as well? Constance, same Jimmy, very strong. Spain. Spain. I was in Spain last year for the bull run in Pamplona. Bon, c'est là où on passe le nouvel an. Ça me rappelle vraiment le camping en festival avec tous mes potes. Donc on s'est placé face au soleil qui se couche. Le soleil se lèvera demain ici. Et c'est un Français, donc il comprend tout. Et on se pose tous là, quoi. Un nouvel an dans une tente. Une place. Can you film me? Yeah. It's already filming. Can fuck. You film, try to shot all the things to show how it's made. Oh shit, man. Look out. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you. Nice, man. Tu sais, quand j'étais à Agen, c'était de ce genre d'endroit-là que je rêvais quand je pensais à l'Australie. Je me souviens, avant de m'endormir, je savais que le lendemain je reprenais les cours à 8h, donc je devais me lever à 7h, et il y a une période où j'étais très très fatigué. Et avant de m'endormir, je pensais à ces moments où je serais dans le désert de l'Australie. Les déserts, ça m'a toujours fasciné. Et je rêvais à ces moments-là où je me retrouvais comme ça dans la forêt parmi tous ces arbres et un ciel, mais qui s'étend jusqu'à perte de vue, et où je serais là assis au milieu de nulle part et seul, et pouvoir penser à tout ce que je voulais, tu vois. Et j'y suis, et je passe le nouvel an là, c'est incroyable. Je réalise que ce moment dont j'ai rêvé, je suis en train de le vivre, tu vois. Et c'est quelque chose qui... Enfin, ça a pas de valeur, je trouve. Tu vois, là, j'étais avec les autres, enfin, on a passé 3 jours tous ensemble, et on a... C'est un mouvement, tu sais, t'es en mouvement perpétuel parce que t'es obligé de rester en contact avec les gens, du coup t'es social et tout. Mais là, je me suis arrêté, je me suis dit, mais attends, mais j'y suis là en fait. Et j'y suis, quoi. Regarde ça. Et le ciel bleu, le soleil qui se couche, et je vais passer mon nouvel an ici, quoi.
Regarde tous ces arbres. Au milieu de nulle part. Bon bah il me reste plus qu'à te souhaiter bonne année 2017. C'est vrai que ce nouvel an, il était complètement différent des autres. C'était pas les feux d'artifice et la fête et l'alcool et tout le monde est bourré. C'était le feu de camp, le désert, la ferme, les tentes et les gens qu'on connaît pas. Et c'est ça qui en faisait toute sa beauté. On a passé toute la soirée avec Nico à parler un peu de l'année qu'on venait de vivre et de l'année qu'on aimerait vivre. Et c'était ça qui comptait le plus. On avait eu ce qu'on voulait, on avait vu ce qu'on était venu chercher. Put the tight angle. Wide? Yeah. Look at this. Wait. Hey. Yeah. Fucking hell, it's scaring me. Look at how he's... Wait, maybe I can see it. Just point it. Yeah, don't move. The other one is leaving also. Oh, there is another one here. Yeah, I told you. Oh, your light is so powerful. It's amazing. Bon, mais voilà, là, t'as vu le nouvel an que j'ai passé avec Nico, c'était vraiment incroyable. Enfin, tu l'as vu dans les vidéos, c'était complètement différent d'un nouvel an qu'on peut passer habituellement. Et ça faisait du bien. C'était étrange, mais ça faisait du bien. Moi, je te retrouve dans les prochaines vidéos qui vont arriver très très vite. Je te dis à la prochaine. Ciao.